Salut tout le monde! Bienvenue dans le 10e épisode de Zelda Unheeling Begins. Aujourd'hui, nous allons tenter de tuer le boss. Mais par curiosité, j'avais envie de voir s'il n'y avait pas d'autres cristaux un peu plus proches. Non, l'autre il est trop loin. Donc non, quoique il y en a un là. Ah non. Ma technique d'aller chercher celui-là semble être la bonne. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, il y a lui d'abord. Donc je sais pas du tout comment faire pour le tuer parce qu'il m'enlève une grande quantité de vie à chaque fois qu'il me touche. Et je sais pas du tout comment éviter qu'il me touche. Donc c'est pas cool. Et j'aime pas quand c'est pas cool. Oui, oui, oui. Quelle horreur. Je sais ce que je vais faire. En fait, rien ne nous oblige à le tuer tout de suite. Déjà, peut-être qu'il faut le tuer avec une arme en tant que Link normal. Peut-être que ça marche mieux. Mais je m'en fiche, je reviendrai plus tard quand j'aurai des meilleures défenses. Parce que maintenant que j'ai les palmes et le grappin, je suis sûr que je dois pouvoir faire pas mal de choses à l'extérieur. Alors, bien sûr, je peux pas utiliser le grappin quand je suis au kneeling, donc je suis coincé ici. Il va falloir me désonilinkiser en premier. Heureusement que les Octorok, puis lui, sont là pour ça. Que ça va être long quand même. Peut-être qu'il y a des ennemis. Ça ira peut-être plus vite en restant dans le donjon en fait. Ouais, je peux le tuer, voilà. Aïe. Ah, bah, c'est plus efficace comme ça, ouais. Haha, ça y est. Ok, donc je disais. Grappin! Mince! Tirons-nous de là! Donc je sais pas pourquoi il dit point d'interrogation ce panneau, mais bon. Alors, je sais pas du tout par où commencer maintenant que j'ai les palmes et le grappin. Oh! Ça, c'est une bonne façon de commencer. Ah, cool. Ça fait plaisir des petits fragments de cœur comme ça. Coincé. Comment on va sur cette île? Peut-être qu'on y va tout simplement pas. Et ça, ouais, ça je connais. Là, par contre, je suis jamais allé sur cette île. Ah, ou un fragment de cœur, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Ah. Cool. La capacité de ma jauge de magie a doublé. Pour l'instant, c'est pas encore forcément très utile. Vu que la lanterne, ça consomme pas énormément et que j'ai pas beaucoup eu l'occasion de l'utiliser encore. Mais je suis sûr que par la suite, je serais bien content d'avoir ça. Alors, je voudrais retourner dans la forêt et atteindre l'île que je viens de voir. Donc, ah oui, c'est là. Ça m'explique pas trop comment on fait pour obtenir le fragment de cœur.
Sûrement via cette entrée de grotte que je peux pas prendre pour l'instant. Quoi d'autre? Je vais essayer de retourner dans la forêt. Mais laisse-moi passer, toi. Y a peut-être des choses à faire dans le coin avec le grappin, je sais pas. Putain, je peux aller là. Ah! Donc oui, il y a des choses à faire. Et ça, c'était quoi déjà? Ah. Ok, donc il faut tomber. C'est vrai, il faut tomber par au-dessus. Donc si je trouve un moyen d'atteindre le dessus là. Ah bah voilà. Ah non, il me faut les gants de puissance améliorés. Donc je peux pas. Et puis là, je pense qu'il n'y a plus rien de particulier. Ça, c'était le premier donjon. Ok. Bon, j'ai quand même trouvé un fragment de cœur, c'est pas mal du tout. Puis ça, j'avais déjà fait, c'était probablement un... Ah oui, c'est là que j'ai trouvé les bottes de Pégase, je me souviens. J'étais fou après. Donc ensuite, là-haut, il me faut la baguette de feu. Quoique... Non, juste le grappin, ça suffit. Ah! Ah! Je me suis fait avoir. Je peux plus revenir. Je suis obligé de tomber dans les trous. Ça, bon, je pense que ça sera pour la fin du jeu. Tiens, on va aller voir. Quoique, j'ai trop de rubis. Je sais toujours pas comment dépenser mes rubis finalement. C'est un peu dommage ça. Bon, sinon je peux aller là-haut encore plus facilement. Est-ce qu'il restait des mystères non résolus dans ce village? Je ne crois pas. On peut utiliser le grappin. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait ce truc, il n'y a plus aucune raison de revenir. Je veux dire, une fois qu'on a visité la mine et trouvé les bombes et tout. Puis là-haut, on peut pas encore y aller. Ah, alors il y a quand même. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah. Donc j'ai rien dit. Parfait, tout ça. J'ai trouvé pas mal de fragments de cœur déjà depuis le début de l'épisode et c'est peut-être pas fini. Ça sert à quoi de venir là déjà? Mystère. On peut toujours poser des bombes, hein. Ça coûte pas grand-chose. Boum 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 boum. Eh ben non, y a rien, c'est pas ça. C'est quand même un endroit louche qui attire la curiosité. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire plus tard. Terre oubliée. Bon, y a pas de truc caché, le fragment de cœur restant dans le coin. Là, il n'y a rien. Si je me souviens qu'il y avait quand même un truc que j'avais laissé, c'était ça. Ah, mais non, j'avais fait ça. Il y a rien de plus à trouver ici.
Ok, donc non, je suis juste revenu là. Ça c'est pour revenir au village. Je vais refaire un petit tour pour voir s'il n'y avait pas encore des choses à faire avec le grappin. Un petit tour vite fait. Ah oui, toi t'as perdu tes parents, mais je sais pas du tout où ils sont. Je vais pas tarder à devenir Oni Link. Ah oui, il y avait des choses là-haut, tiens. Est-ce que maintenant je peux accéder à ces trucs-là? Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Waouh, raté. Donc ça c'est le temple que je peux toujours pas finir. Ah, sa mère. Tiens, on peut aller par là. Ok, donc là je suis déjà venu. Par là, j'y étais allé, hein. Oui, j'ai trouvé un fragment de cœur, me semble-t-il. Ah, je veux aller là-haut maintenant. Ah, zut. Comment on va là-haut? Chercher ce fragment de cœur. Je vois pas d'autres plateformes pour utiliser le grappin. Comment je peux faire pour m'accrocher à la pancarte avec le grappin s'il n'y a pas de plateforme au même niveau? Je ne comprends pas très bien. Tiens, on va aller là-haut direct. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas utiliser le grappin. Mais ça, par contre, ça m'embête. Je sais pas du tout. Je vois pas du tout comment aller là-haut et obtenir ce fragment de cœur. Village de Mido. Aïe. Ça y est, je suis normal. Montagne du destin. Ah oui, j'avais fait tout ça là-haut. Je pense que le grappin peut me permettre d'atteindre les nouvelles choses. Ah. Non, donc pas là en tout cas. Non, bah, je peux peut-être rien faire en fait de plus.
puis là... Pas grand chose à faire non plus. Ok, alors, demi-tour, toutes. Alors là, est-ce que je peux... Bah non, je peux pas m'accrocher à cette pancarte. Là, je peux pas y aller. En fait, je sais pas trop où je suis censé aller maintenant. Ah, ah ça c'est nouveau par contre. Ah, ah, ah oui, ça c'est nouveau. Ok, d'accord. Temple de Zelda? Carrément! Ah bah oui, c'est le cinquième, logiquement. Niveau 8, Temple de Zelda. C'est un château. D'accord. Cool. Oula, le nombre d'escaliers, c'est pas possible. Ok. Bon bah c'est parti. Ah mince. D'accord, je peux pas passer. On peut aller par là aussi. Donc c'est symétrique, on peut... Ah non, on peut pas passer non plus. Et puis par là... Ah, la porte du boss. Ouvert. Oulala, oulala, oulala. Vite, 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 vite. Ah, c'est bon. J'aime pas ces trucs-là parce que ça va être un passage à sens unique. Rien faire là-haut. Y a pas une plateforme invisible là. Ah. Oh la chance. Ça avait vraiment l'air louche alors je me suis dit tiens je vais essayer. Et je promets que je m'en souvenais plus hein, parce que c'est vrai que j'avais joué à ce jeu il y a très longtemps mais je me souvenais pas du tout de ça. Bon, alors, donc j'ai deux clés, c'est cool. Allez, cette fois-ci, on monte.
D'accord. Donc j'ai utilisé une clé, tout ça pour ça. Ah, je suis coincé. Deuxième clé. En espérant que ça marche mieux cette fois-ci. J'aime bien les plateformes dans cette couleur-là. C'est rigolo, je trouve. Mince. Laisse-moi passer. Ah, avec ce que j'ai fait. Stop! Plein écran! J'ai dû appuyer sur la touche du menu sans le vouloir. Y a pas un mur fissuré là-haut? Non. Ah. Excusez-moi, décidément. Je vais éteindre mon téléphone en fait. Ça, je serai tranquille. Voilà. Là, je commence à être content d'avoir eu le bonus de magie déjà. À faire là-haut. Bon. Mince. Et là-haut, il n'y a pas... Ah, si, cette fois-ci, il y en a un. Boum! Une clé. C'est très bien. La boussole, c'est pas mal. Où est-ce qu'il faut aller après? Bah, y a plein de choix, hein. Au hasard. Ok. Ok. Donc je suis coincé. Puisque là il me manque une clé, là je peux rien faire de plus. Là je peux rien faire de plus. J'ai déjà fait ce qu'il fallait. Donc là, logiquement, j'ai dû rater une clé quelque part, sûrement. Ou quelque chose. Est-ce qu'il faudrait pas par hasard se laisser tomber? Ah, d'accord, je me laisse tomber là. Et probablement à d'autres endroits aussi, genre là-haut. Haha, cool. Je comprends le principe. Ok, et ben les amis, on va s'arrêter là et je verrai tout ça dans le prochain épisode. Salut à tous!